Bonjour à tous. Alors, nouveau projet, je dirais pas nouveau projet, mais la continuité de mon projet précédent avec le Bluetooth et des casques qui ont des connectiques en Bluetooth. Alors ici, c'est un récepteur Bluetooth, bien sûr. Les casques audio, donc celui-là, il était en panne et je me demandais pourquoi. Eh bien, j'ai trouvé en le démontant, bien sûr, mais bon, comme la batterie ne durait pas, ne tenait, résistait pas autant. Je pouvais la recharger, je dirais, 10 minutes après, un quart d'heure après, c'était terminé. Donc, il y avait peut-être un souci technique. Mais bon, c'est pas grave, j'ai récupéré la batterie, je la testerai après. C'est celle-ci, une 3,7 volts en 400 mAh. Je la testerai pour voir. Mais elle était déconnectée à un moment dans le casque, donc peut-être que le casque est tombé par terre. Bon, l'avantage de ce kit-là, ça fera ma quatrième partie au sujet des casques Bluetooth et du module Bluetooth intégré à ces casques qui permet de faire des choses un petit peu miraculeuses ou modernes sur des vieilles machines ou ordinateurs vintage. Donc tous les ordinateurs, que ce soit des Amstrad CPC avec lecteur de cassette, l'Amiga, le VG5000 avec lecteur disquette et même d'autres, même les ZX Spectrum Plus 1, 2, 3, etc. Tout ça, tous les ordinateurs vintage qui ont un lecteur de cassette et que les données sont envoyées en WAV. Mais vous avez bien vu qu'ici, on peut même envoyer en MP3. Donc, il suffit de transformer les fichiers WAV originaux en version MP3. On peut même légèrement les compresser pour que ça aille même, je dirais, on pourrait même accélérer un petit peu le chargement. Voilà, donc il y a plein de possibilités. Et ici, c'est un nouveau module. Donc, ça fera partie de ma quatrième vidéo sur le sujet. Mais le deuxième sur celui de l'adaptabilité de ce genre de produit, de ce genre de module sur un Amstrad. Dans mon cas, c'est un Amstrad ou un VG5000. Voilà. Et le plus de ce module, c'est son lecteur qui m'a servi à rien jusque-là parce qu'il est très mauvais. Donc, je vais le tester ou le changer ou mettre autre chose à la place. C'est un lecteur de carte micro SD. Donc, j'ai envie d'utiliser ça. C'est vrai qu'actuellement, je n'ai pas de visuel. Je vais voir s'il est possible de mettre quelque chose, mais j'y crois pas parce qu'il n'y a pas les puces. Les puces qui me permettraient de connecter un écran pour visualiser ce qui se passe dessus, il faudrait faire tout un montage derrière. Mais c'est pas grave. Ce que je veux, c'est pouvoir mettre sur cette disque, sur cette micro SD, 10-20 jeux que je numérote de 1 à 20 si vous voulez, ou avec un nom très court qu'on puisse les identifier, et qu'ensuite avec le casque, on monte ou on descend et on charge un jeu. C'est vrai qu'on n'a pas le visuel, mais c'est pas grave. Je pense pas, non, on peut pas faire de 4, on peut rien faire. Donc je verrai, je ferai des tests, on verra s'il est possible de faire quelque chose. Non, on peut pas faire de catalogue sur un lecteur externe, c'est pas possible, ça fonctionne pas. Alors, petit complément, j'avais pas remarqué, mais il n'y avait pas que ça qui était cassé sur ce module. J'avais un bouton, donc celui-ci. Celui-ci, il est HS, il fonctionne plus, il est cassé. Il y a la partie arrière qui sort. Donc, il faut que je mette et que j'adapte autre chose.
pour le remettre en état, j'ai réparé le bouton, celui-ci. Donc je l'ai changé. J'en ai mis un autre. Ensuite, j'ai connecté la batterie. On est obligé de connecter la batterie. Ensuite, j'ai connecté le casque. Donc un câble casque sur les sorties DHP du casque Bluetooth. Donc j'ai branché qu'un connecteur, je pourrais en brancher deux, mais là vous voyez il est en stéréo. J'utilise une seule masse et c'est suffisant. Alors la petite bidouille de ce module là qui me permet de vous faire une quatrième vidéo sur le sujet, c'est de voir si on peut envoyer du son en fichier WAV ou MP3 directement sur un Amstrad CPC 464. Mais pas via le Bluetooth, parce que là j'ai pas démarré le Bluetooth. Le smartphone il est éteint, celui-ci, l'autre, je n'ai rien lancé en audio dessus, celui que je suis en train de filmer avec vous. Et donc là j'utilise une carte SD qui est dessus. Le seul défaut c'est qu'il faut que je relise la doc, parce que vous voyez là, j'ai une carte micro SD, pas SD mais micro SD dessus, j'ai mis des fichiers WAV MP3. Et le souci, c'est que j'ai pas de visuel, il manquerait un petit affichage LCD pour pouvoir visualiser ce qui se passe. Mais ce module-là n'en possède pas et c'est dommage. Et modifier, c'est pas viable. Il faudrait trouver un module, un récepteur, un module Bluetooth avec un affichage LCD et un lecteur micro SD dessus pour pouvoir visualiser ce qui se passe. Là actuellement je suis en train d'envoyer des fichiers, mais comme il avait démarré avant, vous voyez, j'en suis à Fanglim Block. Ah ben si, il a trouvé. Donc j'ai rien dit. Donc là il a trouvé le bloc 1 pour un autre jeu, donc je ne sais pas si c'est MP3 ou MP4. Donc je suis en train de faire mes tests pour voir si c'est viable. Donc je ne sais pas quel jeu va se lancer, quel fichier va démarrer. J'en ai copié plusieurs, j'ai copié des fichiers WAV et j'ai copié aussi des fichiers MP3. Ce qu'il faudrait que je puisse, c'est naviguer sur le lecteur SD. Donc comme je vous dis, je vais relire ma doc, parce que j'en possède un autre, hein. J'ai un autre casque de même type, mais qui fonctionne. Donc je vais pouvoir voir ce qui se passe. Ce que je vous avais dit la dernière fois, j'avais un petit fil rouge là, dessus, c'est que ce casque possède, ce module possède aussi la FM. Donc il réceptionne la FM, mais bon, très mauvaise qualité. Et j'ai bien vu pourquoi, il avait juste un petit câble, d'ailleurs, qui pouvait faire court-circuit s'il touchait à la carte mère, puisque le bout n'était pas coupé, on voyait le fil dénudé, donc ce qui n'est pas bon. Mais comme antenne, c'est pas fiable, parce que là, vous voyez, on a un vrai module antenne pour le Bluetooth, ici. Donc il est bien fait, il est bien intégré à la carte mère. Alors que le module pour la FM, bah, y a rien du tout, c'est juste un bout de fil. C'est pas exceptionnel. Bon, ça fonctionne, mais j'aurais pu faire un petit peu mieux, l'intégrer autour du casque, enfin faire quelque chose qui est plus long. Donc voilà, je suis en train de lancer le jeu. Il démarre, donc il est en train de se charger. Donc je reconnais ce Ghost and Goblins. Il est en train de se charger. Voilà. Donc comme il est lent, j'ai l'impression que c'est pas forcément un fichier MP3, mais plutôt un fichier MPEG, un fichier WAV. Et on entend bien le son parce que j'ai monté le haut-parleur ici. Donc en même temps que je vous explique tout ça, vous voyez, je vous montre les vidéos de la remise en état de ce module, que je mettrai certainement dans un petit boîtier de récup encore, ce qui va me servir. Ou alors j'en fabriquerai un en 3D, je verrai. Pour l'instant, donc, ce qu'il faut que j'arrive à faire, c'est naviguer sur la carte micro SD. Parce que c'est pas trop rentable d'aller dessus et de chercher les fichiers pour savoir lequel est lancé. Mais pour moi, c'est intéressant. Parce qu'on peut avoir plein de types de projets avec ce genre de module. On pourrait l'intégrer dans le CPC. Par exemple, celui-ci, à la place d'avoir un connecteur pour les puristes qui ne veulent pas de trous un peu partout, on peut. Pas de connecteur ni rien, on pourrait le connecter directement à l'intérieur, connecter aussi au niveau de l'alimentation avec sa batterie sur le 5 volts du CPC, puisque ça consomme vraiment très peu. Je vous dis, moi c'est des idées que je vous donne, moi je fais mes bidouilles, je vais continuer à les poursuivre, mais vous pouvez penser à votre projet, intégrer un écran LCD
ou trouver un module sur des sites de vente et pour des prix très dérisoires souvent avec un module LCD pour pouvoir intégrer directement dans le boîtier ce genre d'appareil. Alors celui-ci avec le lecteur micro SD, si ça fonctionnait, ouais, ce serait pratique. Et j'ai déjà vu des projets avec les petits lecteurs MP3, MP4, où les personnes l'intégraient directement au niveau du lecteur de cassette. Mais moi, je préfère pas dénaturer, je préfère garder tel qu'il est. Donc voilà, on peut créer le module, le mettre à l'intérieur du CPC, faire juste le bouton power pour par exemple celui-ci. Mon premier projet. Juste le petit bouton pour allumer et éteindre. Et on est obligé aussi, oui, d'avoir la prise pour recharger. Non, pas forcément, s'il est connecté directement sur le 5 volts. Pour ceux qui ont 5 ou 6 CPC, qui en ont un qui est en mauvais état, ils peuvent bidouiller avec pour faire ça. Donc voilà, c'était mon quatrième projet. Bon, j'ai fait une vidéo assez rapide sur le sujet, là, pour celui-ci, parce que je ne vous ai pas montré toute la phase de préparation. Mais vous voyez, c'est du bidouillage. On remet en état un module Bluetooth de casque audio et on essaye de faire fonctionner ça sur un Amstrad CPC 464. C'était mon but et voyez, pour moi c'est viable. Alors comme je vous ai toujours dit, c'est toujours dans l'idée de bidouille à 0€, donc récupération de matériel HS, remise en état et l'utiliser pour lui donner une nouvelle vie, une seconde vie, pour redonner au matériel qui est en panne, qu'on remet en état et on lui donne une nouvelle fonction par exemple. Voilà, donc mon but ça a toujours été ça et c'est toujours ça. Et ça fonctionne. Donc voilà, il a été long à charger, donc c'est une version certainement web. Et voilà, je suis arrivé à l'écran de démarrage du jeu. Donc pour moi, tout est viable, ça fonctionne. S pour démarrer, voilà. Ghost and Goblins. Bon, je baisse le son. Mais ça fonctionne. C'est ce que je voulais prouver. Qu'on pouvait bidouiller des modules Bluetooth et qu'on pouvait en faire pas mal de choses. Maintenant, comme je dis, je vais chercher à naviguer sur cette carte micro SD sans visuel. Je fais CTRL Entrée. J'appuie sur le bouton suivant. Mince. J'appuie sur le bouton suivant. J'appuie sur Entrée. Là, je cherche un autre logiciel. Voilà, 1943. Donc, on peut juste voir le nom qui s'affiche ici. Donc, c'est quand même pas si nul que ça. C'est pas mal. Donc si j'arrive à identifier le nom, donc peut-être que c'est juste le début du nom du fichier. Il faut que je vois ça, je peux peut-être les renommer juste avec le nom de base. Parce que souvent les cassettes en WAV, les fichiers format WAV et autres, c'est des noms longs. Donc si je le simplifie, peut-être que je peux y arriver. Mais voilà, donc je peux naviguer sur cette micro SD qui envoie donc bien le fichier WAV ou MP3 directement sur mon CPC via la prise que j'avais avant. Donc je lui dis, bon, quel est l'intérêt? Vous allez me dire, quel est l'intérêt? Il suffit de le faire avec un smartphone et on branchait le smartphone directement sur le casque, sauf que là on n'a pas de perturbation, c'est le Bluetooth qui gère, enfin c'est même pas le Bluetooth puisque là il est connecté directement, donc c'est la micro SD. Voilà, comme je vous dis, on peut le faire avec un smartphone, hein, c'est aussi simple, mais bon, moi j'aime bien mes bidouilles. Et j'aime bien essayer de trouver d'autres solutions, même si celle-ci n'est pas viable à 100% puisqu'on a un défaut de visuel. Mais vous voyez, on peut lancer les logiciels, les programmes, et ça fonctionne de la même manière. Voilà. Pour moi, le but, c'est d'apporter mes bidouilles. Alors, ce que j'ai compris en utilisant ce module, si je veux, quand mon jeu a fini d'être chargé, il a terminé d'être chargé, on appuie sur le bouton central pour mettre le chargement en pause. Sinon, il continue de charger alors qu'il a déjà chargé un jeu sur le CPC. J'ai bien le jeu qui démarre. Alors, S to start, ok, c'est parti. Presséniqué tout phare, ok. Et voilà, le petit jeu. Donc, je vais l'arrêter.
Et je vais essayer de démarrer l'autre. Fogies, enfin dans la liste, il arrive, voilà. C'est le jeu qui vient de la version ZX Spectrum qui a été retravaillé par quelqu'un sur le site. Ayor 61, voilà. Cyril Ayor 61. Super travail. Et le jeu est vraiment pas mal. Hein. Pour un CPC 464 avec ses 64 kg de RAM de mémoire, c'est vrai que c'est pas mal. Bon, quand il aura fini de charger, je reviens vers vous. Voilà, il vient de charger, donc j'ai bien réussi mon truc. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est mettre en pause dès qu'il a fini. Donc là, j'ai oublié, mais voilà. On met en pause comme ça, il ne charge plus un autre jeu. Parce que là, si je l'éteins, mais bon, là je vous montre le petit jeu, je vous montre juste un visuel. Là, je vais mettre un keyboard, mais je ne sais même pas quelle touche. Si les touches sont notées, donc c'est bien, c'est OPQ, OPQA. Donc OP et QA. OPQA, ben oui, c'est ça, je ne me souvenais plus. C'est ça, et ensuite il y a quoi? Jump Space, bien sûr, et I Inventory. Ok, inventaire, I et l'espace pour sauter. Bon, tout est noté, c'est pas mal. Maintenant, on le démarre. Un keyboard, voilà. Et regardez le petit jeu. Il est vraiment très très bien fait. À part ce petit liseré violacé ou rose foncé autour, le jeu est bien... Il est pas mal du tout au niveau esthétique. C'est un bon portage. Le jeu se charge quand même. Donc, il a été lancé juste à temps, sauf qu'il n'y a pas eu le clear de l'écran au démarrage. Donc, quand on lance le jeu, il doit y avoir un clear de l'écran pour que le jeu puisse charger, puisque vous voyez, on a les instructions à l'arrière. Mais le chargement de la première image est en train de se faire, ce qui prend quand même beaucoup de temps. Je pense que si on supprimait cette image, on augmenterait le chargement du fichier, mais bon. Voilà, donc ça fonctionne quand même, je l'ai fait assez rapidement, donc il suffit d'appuyer pour mettre en pause, bouton du milieu, monter, descendre pour sélectionner son jeu. Voilà. Alors regardez, toujours dans mes petites bidouilles, et j'y croyais pas, j'ai fait un cat. Je fais un cat pour voir les fichiers dans le répertoire, qui n'existe pas puisqu'il est sur ma disquette, sur mon lecteur Bluetooth. Alors ce que je fais, vous voyez là, il a lu le premier, mais je n'ai pas appuyé. Mais je vous montre. Je rappuie sur le suivant. Ça veut dire le fichier suivant. Voilà. Là, j'étais sur Frogies. Et là, il va me dire un autre nom de fichier. Puisque je viens de faire un autre 4. Là, je refais un autre 4. Il va me dire le suivant. J'ai appuyé sur le bouton. Donc, j'attends parce qu'il est plus long. Donc il arrive à lire la carte micro SD comme si c'était un lecteur de cassette. Lecteur de cassette, ouais. Et je charge, hein, vous voyez, je ne fais pas un lancement des fichiers. Hein. C'est juste lire. Voilà, là j'ai un read error. Donc c'est le programme qui ne fonctionne pas. Donc j'en ai un. Je fais suivant. Voilà, je fais suivant. Je pensais vraiment pas que je pouvais lire comme ça. Il va pas vous donner la liste des programmes qui sont présents sur la carte micro SD, ça c'est sûr. Ça, je pense pas que ce soit bon. Ah ok. Voilà, Nakamoto. Ah oui, il veut le lire en entier pour dire que c'est ok. Donc je le laisse aller au bout. Maintenant j'appuie sur suivant. Mm-hmm.
prépare à faire un autre suivant après. GG pour Ghost and Goblins. Je le laisse aller au bout, voilà, il l'a lu. J'appuie sur le bouton suivant. Elite, bon, c'est Ghost of Gremlins, mais une autre version. Voilà, donc j'ai bien un jeu qui n'est pas lu sur cette micro SD. Là, j'appuie sur suivant. Foggies, ouais. J'appuie sur suivant. Il fallait que je le laisse charger. Je l'ai pas fait. C'est pas grave, il va me faire une erreur. Je comprends pourquoi j'ai l'erreur. On a l'erreur quand on laisse pas le fichier se charger complètement. Donc je peux revenir en arrière. Hop, je reviens en arrière. Il va me charger encore 1943. J'ai pas dû faire ce qu'il faut. Vous voyez, je suis en train de manipuler pour voir comment ça peut fonctionner. Voilà, il l'a bien validé. Donc là, il va passer. Je passe au suivant. Hop, mince. Voilà, je passe au suivant. Vous allez me dire, j'en ai pour 3 jours à passer le catalogue d'une disquette. Oui, mais bon, c'est pas forcément le but. Le but, c'est de montrer que je peux lire sur une micro SD. Donc, si on cherche un petit peu, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de créer un catalogue de la disquette? Je pense que si, ça se faisait avant. Donc, un fichier catalogue de la disquette qui nous permettrait de le charger, de lancer le programme pour ensuite voir les programmes qu'on a sur la disquette. Après, pour les sélectionner, je ne suis pas sûr qu'ils puissent le faire, mais ils devraient pouvoir. Ils devraient pouvoir par rapport au nom du fichier. Donc, c'est des choses à tester. Pour l'instant, j'ai pas le temps, mais je vous montre les options possibles. Donc là, on est en Ghost Peak, donc je vais aller au suivant. Je le laisse aller faire OK, sinon il va m'afficher une erreur. Là, je fais suivant. Et là, il est passé au suivant, vous voyez ? Voilà, on est revenu à 1943. Donc, je pense qu'il est possible de faire un catalogue de la disquette. Il faudrait que ce fichier soit lisible sur l'ordinateur. Et ensuite, je ne sais pas, parce que c'est moi qui envoie du module Bluetooth les fichiers. Ce n'est pas lui qui va aller chercher l'info. On le voit bien, puisque je fais catalogue. Je fais 4, mais vous voyez, presse et niquet, je vais aller chercher l'info sur le module. Et il est sélectionné sur un module, sur un nom de fichier qui est présent lors de la lecture. Alors pour afficher tous les fichiers, comme je vous dis, on pourrait peut-être lancer juste un cat et un nom de fichier, puis l'éditer ou voir comment on peut lancer ça. Enfin voilà, je vous donne plein de petites infos, elles sont peut-être complètement bidons ou autres, mais vous voyez, j'arrive à lancer et à chercher mes fichiers sur ma micro SD. Je viens de faire un autre test. Donc là, je recherche le fichier Run 1943. Donc c'est le jeu 1943. Donc j'ai tapé Run, 1943. Et ça m'évite d'éteindre à chaque fois l'ordinateur.
Parce que là, par exemple, quand on voit, mince, dommage, j'espère que vous l'avez vu, à chaque fois qu'on démarre l'ordinateur, à chaque fois qu'on fait un run, les deux guillemets et le nom du jeu, il va vous dire qu'il a trouvé, donc il tape found. Il trouve, mais il ne va pas le lancer, il ne va pas le charger, parce que ce n'est pas ce que vous avez demandé dans le cat. Donc voilà, j'ai trouvé le petit moyen, si on a le nom des fichiers, d'appuyer sur les flèches haut et bas du module, donc du module Bluetooth, et de rechercher le jeu qu'on veut. Et dès qu'il l'a trouvé en appuyant sur haut, flèche haut et bas, parce qu'il le charge à chaque fois un petit peu, dès qu'il le trouve, il va le valider. C'est ce que vous avez vu sur l'écran juste avant, je vous remontrerai l'image. Alors voilà, je recommence, je démarre la machine, je démarre le module Bluetooth, je l'ai mis en pause là. Maintenant, si je tape... Si je tape catalogue, il va me demander à chaque fois, je vais être obligé d'éteindre l'ordinateur à chaque fois que je fais un 4. Par exemple, je fais 4, je fais entrer, bien sûr, il me demande de lancer et il attend l'information. Donc ça ne m'intéresse pas. Donc, je ne sais même pas si ça fonctionne si. Ok, donc là, moi, ce que je vais faire, je fais run, le nom du programme. Mince. Run, shift, run, et je tape le nom 1943. C'est le nom du programme que je cherche. Voilà, je viens de taper run 1943. Je fais entrer. Je valide. Il est en train d'attendre. Je réappuie sur le bouton de démarrage. Là, il avait déjà démarré un jeu. Donc, j'appuie sur le bouton suivant. Hop. J'appuie sur le bouton suivant sur mon module. Il va me chercher le jeu. Il a juste besoin de charger le premier fichier qui identifie le nom du jeu, c'est-à-dire le nom du jeu, et c'est tout. Juste ça, identification du jeu. Là, je pense que c'est God of the Goblins parce qu'il est très long à charger au départ. Et là, il va me marquer, regardez bien, il met Found, Ghost of Goblins. C'est une des deux versions. Je fais suivant. Parce que c'est pas celui que je veux. Je dis, bon, allez, petite bidouille sur petite bidouille, j'arrive à trouver des petites choses intéressantes. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose pour lire sur la carte. Là, il a trouvé Elite. Je fais suivant. Et vous voyez, il ne fait que faire Found. Donc, ça veut dire qu'il a trouvé Elite. Maintenant... Frogies, ok, j'appuie encore sur suivant sur mon petit module. Là, il me charge, vous voyez, c'est ce que je vous avais dit, loading 1943, bloc 1, il l'a trouvé. Donc là, il est en train de me charger le jeu. Si je veux retrouver les autres jeux, vous voyez, il y a les noms là. GG, ensuite il y a Elite, et il y a Frogies-Q. Foggies-Q, ce sont les noms des jeux. Si je tape ces noms des jeux en tapant run, les guillemets 1943, je peux mettre une palanquée de jeux sur ma micro SD et faire suite à chaque fois qu'il en trouve un. Vous savez, c'est pas pire que quand on était avec le lecteur de disquette où il fallait mémoriser ici l'endroit où était le second ou le troisième jeu pour ensuite faire un rebobinage, aller dessus plus ou moins avant, et ensuite lancer le démarrage de la cassette. Donc voilà, une petite bidouille qui a l'air de fonctionner. Bon, après, je vous dis pas, un écran LCD serait mieux, mais on arrive quand même à lancer des instructions vers le lecteur micro SD. Et franchement, avec du matériel de récup, je trouve ça exceptionnel, moi je trouve ça bien. Alors si vous tous, vous pouviez rajouter des infos et vos tests sur ce genre de produit, peut-être que quelqu'un arriverait à lancer un catalogue. Je n'en suis pas trop sûr parce que je pense qu'il y a des limitations. On ne peut pas pointer directement le nom du programme. La preuve, il est obligé d'aller le chercher. Si on avait un moyen via un fichier où il y a une liste de jeux et on tape sur une touche et ça lance le jeu et qu'ensuite il va le chercher et quand il le trouve, il le lance, là, ouais, ce serait viable. Mais vous savez, moi, les menus de ces cassettes ou même disquettes Amstrad CPC, ça fait très très longtemps que j'y suis pas dessus.
Donc il faut que je m'y remette, mais là j'ai pas forcément le temps. Je verrai si j'ai un moment pour faire ça, mais je pense qu'on peut faire quelque chose, même avec ce petit module. Voilà, j'avance.